Les louanges ne cessent de pleuvoir sur N'Golo Kanté. Unique buteur lundi soir lors de la demi-finale de la FA Cup contre Manchester United, le milieu de terrain français de Chelsea a une nouvelle fois offert une prestation majuscule. Une habitude depuis son arrivée en Angleterre à l'été 2015. Champion avec Leicester, Kanté est bien parti pour conserver la couronne avec cette fois le maillot des Blues. Infatigable sur le gazon vert, le joueur de 25 ans épate avec sa qualité de récupération. Cette saison, il a récupéré 208 ballons en Première Ligue, ce qui le classe au 3e rang parmi les joueurs de champ. Kanté le doit surtout à ses tacles rageurs, 94 au total cette saison en championnat pour l'ancien Canet. Dans ce domaine, seul Idrissa Gueye le devance. Kanté gratte les ballons au plus près de ses adversaires, mais il est aussi bien souvent placé au bon endroit au bon moment. En témoignent ses 59 interceptions en championnat, 3e plus fort total parmi les milieux de terrain. Une zone de jeu où Paul Pogba peine à se montrer régulier cette saison. Mardi, à Stamford Bridge, les deux hommes n'ont d'ailleurs pas échappé à la comparaison. Cet été, l'un a coûté 34 millions d'euros, l'autre 105 millions. Une différence de prix qui amuse aujourd'hui les supporters des Blues. Les Bleus, eux, se frottent déjà les mains à l'idée de voir les deux hommes briller ensemble en équipe de France. Jusque-là, Pogba et Kanté n'ont débuté que 7 fois un match ensemble, sous les ordres de Didier Deschamps.